Les débrouillards sont comme un trésor. Certains débrouillards sont des trésors cachés. L'amour du débrouillard est vrai, sincère, authentique. Si tu aimes vraiment l'homme avec qui tu es, qu'il soit débrouillard, vous pouvez faire des merveilles ensemble. Salut les amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et c'est Majoline. Dans cette vidéo, je vous parle d'un sujet un peu. Il y a des filles qui aiment souvent dire, oh, c'est pas mon genre, ce type-là, c'est pas mon genre, ce monsieur-là, ce n'est pas mon genre. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi, une raison que tu peux considérer, une raison de te mettre avec quelqu'un qui n'est pas ton genre, comme un débrouillard. Certains débrouillards sont des trésors cachés. Certaines femmes ignorent que se mettre avec un débrouillard peut être un trésor caché. Certaines préfèrent suivre des hommes qui sont déjà situés, des hommes riches, croyant qu'elles ont gagné le jackpot et que tous leurs problèmes seront résolus. Certains ont de la chance et d'autres non. Au point où elles négligent le débrouillard qui court après elle, qui est prêt à se sacrifier pour elle, qui est prêt à tout pour elle, au nom de la personne qui a déjà tout, de la personne, du monsieur qui est déjà riche. Parfois, ça peut être une grosse erreur. En général, des choses ou des personnes négligées devraient être au centre de notre attention. Dans un monde où tout est devenu bling-bling, tout ce qui brille n'est pas or, en passant, certaines femmes préfèrent ne voir que le statut des hommes, la grande vie, de l'argent. Au point où si un homme n'a pas cela, il n'a pas droit au bonheur. On ne le regarde même pas. Mais ce que certaines femmes oublient, c'est que certains hommes qu'elles ont négligés, méprisés, parce qu'ils n'avaient rien, parce qu'ils n'étaient que des débrouillards, ils se battaient tous les jours, faisaient de longues heures de travail pour joindre les deux bouts, elles oublient que c'est le même homme qui peut bien les traiter pendant les moments difficiles. N'oubliez pas qu'une personne vous montrera qui elle est vraiment, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Cette personne vous montrera qui elle est vraiment quand vous n'avez rien à lui offrir. C'est là que vous verrez le vrai sens même de votre relation. C'est où vous verrez la valeur de votre relation. La sincérité, la confiance, le vrai amour parfois se construisent dans la beauté d'être avec quelqu'un qui n'a rien, d'être avec un débrouillard. Tout ce qu'il peut faire pour vous, c'est juste vous aimer, vous respecter, louer votre présence dans sa vie et essayer de vous faire plaisir à son niveau et de la plus belle des façons. Il vous valorise et parce qu'il sait qu'il n'a pas assez d'argent à vous donner, il va essayer de se battre pour faire ses petites cotisations afin de vous faire plaisir. Parce qu'il travaille dur pour te garder. Il connaît ta valeur. Il essaye de te le montrer. Il sait que tout ce qu'il a à t'offrir, c'est ça. C'est te montrer son amour sincère. C'est sa présence. La plupart du temps, certains hommes riches, je dis bien certains, certains hommes riches vous prennent pour acquis. Pas de respect. Il n'a ménagé aucun effort pour vous avoir. Il n'a fait qu'utiliser son pouvoir d'achat. Je parle du pouvoir d'achat parce que de la même façon que certains hommes riches achètent des choses, parfois parce qu'ils peuvent, pas parce qu'ils ont vraiment besoin, et la même façon qu'ils utilisent leur pouvoir d'achat pour t'acheter aussi. Donc, ils peuvent acheter plusieurs filles comme toi et comme ils veulent. Vous n'avez pas de fondation ensemble. Ils ne respectent même pas déjà ta personne. Ils ne te traitent pas personnellement d'une façon spéciale, car tu n'es même pas la seule. Pour lui, tu es comme un jouet qu'il manipule à sa guise, jusqu'à ce que ça se détériore. Et quand il aurait fini de jouer avec toi et ta brillance terminée, il va te jeter comme un objet, comme une ordure. Il risque de te jeter comme un jouet, comme une ordure, car il n'aurait plus besoin de toi. L'amour du débrouillard est vrai, sincère, authentique. Parce que lui, il sait qu'il n'a que ça à vous offrir. Si tu aimes vraiment l'homme avec qui tu es, qu'il soit débrouillard, vous pouvez faire de bonnes choses ensemble. Vous pouvez faire des merveilles ensemble. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé.
Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.